J'ai des tas de vidéos à enregistrer. Et ma voix veut pas collaborer. Mais mon rire, lui, il veut. Ce matin, j'étais sur mon appel avec ma partenaire d'imputabilité, Hélène, que je salue ici, et elle me faisait remarquer que ma voix était encore craquante. Ça fait peut-être 2 semaines que j'ai attrapé un virus et je ne sais pas. On dirait qu'il est tellement bien dans mon corps. Il ne veut pas continuer, il ne veut pas partir. Et donc, ça fait que j'ai la voix qui fait des ouh comme ça. C'est pas ma voix habituelle. Alors, je vous propose d'en rire avec moi, tout simplement. Parce que la décision de rire, ça nous appartient. La situation, elle ne change pas. Mais moi, j'ai le choix de réagir autrement. Donc, tiens, je vous invite à imaginer que vous avez une marmite devant vous ou que vous avez un espace devant vous qui est libre dans lequel vous allez pouvoir mettre toutes ces préoccupations, les choses qui vous dérangent, les choses qui vous énervent, ce qui vous prend la tête, ce qui vous déçoit, peu importe. Imaginez que vous mettez ça dans la grosse marmite devant vous et vous avez une grosse cuillère de bois. Et on va remuer tout ça en riant, comme une sorcière ou pas. L'important, c'est de continuer à le faire. Et si vous êtes pris d'une quinte de toux comme moi ce matin, eh bien, on fait le rire de la toux. C'est ça la beauté du yoga du rire. On rit avec l'intention. Même si c'est que physiquement au départ, ça nous fait du bien. Vous voyez, moi tout de suite, là, ma voix n'a pas changé, mais mon énergie, par contre, elle est plus souriante. Belle fin de journée à vous et je saupoudre de poudre de perlimpinpin d'amour. Joyeux Halloween!